Je suis allé voir une exposition avec Rémi Argot et Clément Morin au Grand Palais à Paris. Et cette exposition, c'était l'art et les robots. Et vous pouvez voir des images assez folles. C'est une exposition plutôt sympa, visuellement en tout cas. Après beaucoup de moments, je me suis dit, pourquoi faire ça? Mais après, j'ai envie de dire, c'est l'art, hein, des fois, pourquoi faire ça? Ben voilà, là, c'est de l'art avec des robots. Et il y a des choses magnifiques, comme ces petits robots qui font des toiles à eux tout seuls, des sortes de petites voitures avec des feutres. Ça, c'était super beau. Surtout que je trouve que le résultat est vraiment beau. Par contre... C'est des robots, ça. Par contre, ouais, il y a pas mal de choses où tu te dis... Le robot qui a... À l'œil nu, enfin à la caméra nue, arrive à redessiner des choses qu'on met en face de lui, c'est assez fou. Par contre, les vases que tu fabriques avec la voix au son, qu'on te vend 1800 balles, 1500, 1800, je crois, 1800 balles, c'est pas possible quoi. Et surtout, cette expo, elle est cool. Nous, vu qu'on est intermittent du spectacle, on l'a payé 10 balles, mais c'est court quand même. C'est un petit peu court. Et j'ai envie de dire, c'est une expo sur l'art et les robots, et à aucun moment il y a R2-D2. Je veux dire, allô quoi, t'as une expo sur les robots, il n'y a pas R2-D2. Faut que j'arrête avec cette vanne parce que tout le monde l'a oublié. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux, je force à rien. Je suis comme ça.